Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Donc aujourd'hui, ce sera vidéo sport. Vidéo sport. Donc je vais vous faire voir une petite compilation de tout ce que j'ai fait. Voilà, chacun à son niveau, d'accord? On ne critique pas. Donc là, c'était avec le club Super Physique de Rudy Koya. Donc, il demandait des mouvements à amplitude complète, chose à ne pas reproduire pour un entraînement complet. D'accord? Parce que les articulations, ça n'aime pas trop ça. Ok? Toujours garder un petit flex. D'accord? Jamais tendu complètement. Ok? Toujours là, un petit flex. Ok? Là, c'était mouvement strict demandé. Donc, j'ai fait comme c'était demandé. Sinon, il validait pas la vidéo. Ok? Donc, des petits mouvements comme ça. Voilà. Il y aura du développé militaire, il y aura du curl halter, du curl barre, du soulevé de terre, du développé couché, un peu de traction, un peu de dips. Donc tu vois quoi, histoire de bien s'amuser, de bien s'amuser. Donc là c'est ma petite salle de sport, hein, vous l'avez déjà vu, hein, 10 mètres carrés, voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et puis c'est tout, même si ça va moins vite que une vraie salle, voilà. Hein, bon. 50 piges le gars, voilà. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Moi, il n'y a pas de souci. Voilà, on se maintient. Tu vas voir, tu vas constater par toi-même. Les petites vidéos, voilà, il y en a certains à 20 ans, ils ne sont pas capables de les faire. Donc, ma foi, je me dis que j'ai un petit niveau, quoi. On va dire ça comme ça. Parce qu'au pompier, je me rappelle que les 22 tractions, tout le monde ne le faisait pas. Loin de là. 22 tractions. Strict comme la BSPP. On est bien d'accord. Strict. Le menton qui touche la barre. Les bras tendus. Ok. Ça, c'est une traction validée. Amplitude complète. On ne fait pas de la triche. D'accord. On n'est pas dans une autre catégorie là. On fait les choses correctes. Donc tu verras par toi-même. Tu constateras. Que le vieux de bientôt 50 ans, 49, 49 il a le gars, il a pas encore 50, waouh! Mais t'inquiète, tu t'inquiètes, on se remet toujours à niveau, ok? Et je te fais voir la petite compilation, et après, je te reparle d'une vidéo à venir. Ça va être du très très lourd. Tu vois, donc il y avait plusieurs catégories. Donc, validé hein, avec les mouvements stricts. Voilà, développé couché, 10 fois 85. On parle bien de valider comme il demandait. Ce n'est pas mon maxi, ce n'est pas mes entraînements. C'est mouvement strict, amplitude complète. Voilà, c'est pas j'arrache tout en 10 secondes. Non, 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 non. C'est voilà, comme lui, il demandait. Donc, il n'y a pas d'ego là-dessus. Hein. Eh ouais, 10 fois 85. Oh, bah le mec, il est nul. Non, tu t'inquiètes, tu t'inquiètes. Après, il y a eu quoi? Donc, il y a eu du incliné. Voilà, toi, 80 kilos. Ça, c'est du validé, d'accord? 80 kilos en décliné aussi. Ok. Après, il y a eu traction prise large. 15 reps validés. Ok. Bah ouais, tu vas constater que les 10 reps à 20 kilos, à 15 kilos, n'ont pas été validés. Parce que je tendais pas les bras assez. Ah ouais, il est sévère, il est sévère. Développé militaire, 55, haut la main. Ça, c'est avec barre, avec halter, 30 kilos. On passe au curl barre droite. Donc tu verras, c'est pareil, 10 fois 45, il me les a validés tranquille. Les 10 fois 50. Pour lui, je me balançais un petit peu trop. Tu vas constater dans la vidéo,
Ça passe, mais pour lui, ça passe pas. Voilà. Traction, prise, supination. Donc là, c'est pareil. J'en avais fait 10 à 15 kilos validés. Après, le curl incliné. Donc, toi, c'est pareil. 10 à 22. Non, 10 à 20 kilos, ça passe. Bah ouais, parce que j'en ai fait que 6 à 22 kilos. Après, les dips. Donc là, il m'a validé quoi? Il m'a validé les 10 à 20 kilos. Les 10 à 20 kilos. Ouais, parce qu'à 25, à 35 kilos, bah, tu constateras par toi-même. Après, il y avait quoi? Développé couché, prise serrée. Donc, il m'a validé à 90 kilos. Après, squat, les 10 fois 100 kilos, il m'a pas validé parce que je descendais pas assez bas. Squat avant, exactement la même chose. Donc, là, tu vois, validé, c'est nul. Mais voilà, c'est l'ego, il en prend un coup, mais c'est pas grave, c'est lui qui décide. Rudy Koya, c'est lui qui valide les vidéos. Voilà. Soulevé de terre, jambes tendues. Donc là, j'ai réussi à valider jusqu'à 100. Combien? 135 kilos. Pourquoi ça veut pas. Arrête de bouger, toi. 135 kilos. Voilà. 135. Et le soulevé de terre, il me l'avait validé à combien? Il m'avait validé à. Il est où le soulevé de terre? À 5 fois 150 kilos. Voilà. C'est à 70.
passer à 72.
pas que 6. Putain, fais chier. Bon alors j'espère que ça t'a plu ce petite compilation donc à venir. Donc là ça va être du sport à l'extérieur, j'ai jamais fait. Tu verras, il y aura de la boule de pétanque géante, il y aura un petit camion, je t'en dis pas plus. Il y aura quoi? Il y aura la marche du fermier. Est-ce que tu connais la marche du fermier? Non mais bref, il va y avoir du lourd. Mon petit pote Johan, t'inquiète, il va vous présenter ça. Tu vas voir le gars, Lui aussi, il débute dans ce milieu-là, mais t'inquiète, il est bien coaché. Il est coaché, allez, un petit indice, avec l'homme le plus fort de France. Ça te dit quelque chose? Tu vas voir. Tu vas voir à la prochaine vidéo sport. Je fais une petite découverte avec mon poteau. Ça va être du lourd, il va y avoir du vomito, je pense. Parce qu'il m'a promis quelque chose de pas mal, pas mal. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao!